Salut, c'est Striki. Ah, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le grand final sur Steam World Build. J'ai tout préparé, donc comme je vous l'ai dit au dernier épisode, je vais vous montrer tout ce que j'ai mis. Il reste encore des petits éléments à construire. Je vais vous présenter le troisième sous-sol. On va aller découvrir ensemble les deux dernières pièces de fusée et peut-être battre un boss ou on verra, je sais pas. C'est ce qu'il laissait sous-entendre en tout cas la dernière fois. Alors déjà, du coup j'ai bien développé les scientifiques, j'ai rajouté des scientifiques, il n'y en avait pas besoin de tant que ça, ce qui m'a permis de tout débloquer leur technologie. Donc je crois que la dernière fois on avait mis le matériel de laboratoire. Je ne suis pas sûr d'avoir mis l'usine de diesel de pétillante, elle est. Enfin, je suis même sûr, je ne l'avais pas mise, elle est ici. Le grand collisionneur de matière qui est là. Voilà, c'est un bâtiment culturel dont ils ont besoin. Qu'est-ce qu'il fallait d'autre? L'atelier d'art, c'est pareil, je l'ai mis ici. Voilà. Donc petit tips, hein, oui, ça vient tard. Mais quand vous voulez voir un bâtiment, alors j'ai pas trouvé. Peut-être que c'est vous qui pouvez me donner un tips pour voir directement tous les symboles de bâtiment. Mais grosso modo, là, si je clique sur l'atelier d'art, donc ça montre si j'ai déjà un atelier d'art. Et ça me montre notamment ce qu'il va avoir, ce dont le bâtiment va avoir besoin. Donc par exemple, là, on voit qu'il a besoin. L'usine de peinture à huile. Et l'usine de peinture à huile, voilà, ça me l'affiche ici. Enfin bref, donc j'ai mis ça. L'observatoire, je l'avais mis hop ici. Pour le moment, je manque un petit peu de pièces comme ça, là. De pièces. Comment ils appellent ça? Des pièces en Vectron. Voilà. Il manque un petit peu de pièces en Vectron. Mais ça va se faire. Et enfin, le dernier, donc en trouvant du gaz et des champitrols dans la mine, on va pouvoir faire une usine de traitement de carburant de fusée. Donc je pense que je l'ai mis tout de suite pour que, à mon avis, dès qu'on va avoir rempli ça, la fusée va bien falloir qu'elle décolle. Donc il va falloir faire le plein et on la fera décoller. Voilà, assez parlé pour là. D'ailleurs, on va mettre en lecture, hein, parce que le temps que tout ça se fasse, dans la gare, j'ai mis de l'argent contre, du coup. Et ces pièces, la ferraille en Vectron, pour pouvoir faire les pièces en Vectron. Tac. Au niveau des autres ressources, on est plutôt pas mal. Là, il en manque un peu, mais c'est ferraille par rapport aux outils, etc. Ferranium. C'est les matières premières qui manquent, mais dans le reste, après, on est bien, on produit bien. Donc voilà. Champignons, on commence à manquer de champi plastique, peut-être. Ou gaz, ça va. Tout le reste, ça va à peu près. Alors maintenant. Voilà, parce que là c'est vraiment intéressant. Le troisième niveau de sous-sol est comme le reste en fait. Hein, c'est à chaque fois il y a des nouveautés, etc. Donc là je viens d'ouvrir, comme je vous l'avais dit, hein, je suis allé chercher donc les quatre leviers. J'ai ouvert. En ouvrant, donc j'ai découvert une autre pièce de fusée. Et du coup ça m'a remis une zone de robot où je peux être attaqué. Il y avait du sol fertile, donc sur le sol fertile, hop, tac, dans les fermes, on peut faire les champis plastiques comme on fait depuis le début, mais ça y est, je peux faire les fermes à champitrol. Donc ici, j'ai mis du champitrol pour faire le carburant de fusée. Et puis, tiens, d'ailleurs, hop, du rubis. Ah, ça m'a découvert un nouvel objet. Qu'est-ce que c'est? Ah, les mécaniciens qui vont pouvoir soigner un peu plus. Bonus de réanimation. Ok. Donc j'avais refait. Là, une tourelle à flamme, j'ai refait deux tourelles à grenade, j'avais remis ici des gardes avec un bonus de recrutement pour avoir des gardes encore plus proches. Vous voyez, sur cet étage-là, je suis à 21 gardes et c'est pas trop. Les machines, ça y va. Je suis venu de pas mal découvert à droite à gauche. Là, il y a l'autre morceau de fusée, donc pareil, avec une grosse zone d'attaque ici. Donc là, j'ai mis des tourelles à flamme un peu partout, j'ai mis trois canons à grenade. Et donc là, on a pas mal d'éléments à venir chercher. Un filon de ferraille de Vectron, j'ai du gaz, je peux même aller chercher un autre gaz. Je sais pas si j'ai dans l'atelier. Non, il n'y a plus de place. Il faudra agrandir l'atelier pour faire l'autre gaz. Donc c'est pour ça qu'ici, vu qu'il y a beaucoup d'éléments, j'ai mis un grand tapis. Un grand tapis qui va venir potentiellement pouvoir récupérer l'eau aussi. Et qui vient comme ça, tranquillement, acheminer les ressources jusqu'à notre puits de mine. Donc l'objectif là. On va tout de suite aller chercher un. Alors combien? Il va peut-être m'en manquer d'ailleurs. Ça, j'ai pas fait gaffe.
Voilà, j'ai que 5 mineurs sur 10, donc on va refaire du mineur, c'est pas très grave. Je pense pas qu'il manque grand chose. Alors où est mon petit quartier de mineurs? Il est là. Va peut-être falloir refaire un quartier. J'ai pas de bonus de recrutement. Bon, une tuile déjà pour refaire un mineur. Donc ça va y aller. Tac. Et après il en manque combien? 6 tuiles. Ah, on peut venir si, on peut venir s'étendre. On peut venir s'étendre. Donc on va pas s'embêter trop non plus. Ah non, là je peux en mettre un. Alors on va y aller comme ça. Là, combien? 2 tuiles encore. Je suis à 7 mineurs. Faut arriver à 10. En tout cas, le jeu est vraiment pas lassant. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Ça rebondit en permanence de partout. Ça y est, on a nos 10 mineurs. On a nos 10 mineurs. Donc là, hop. Comment ça, 9? Non, j'en ai que 9. Capacité 10. Ah, il va me manquer peut-être des... On va retourner en surface. J'ai pas fait attention si ça demandait peut-être des ouvriers, non? C'est bizarre. On va en rajouter, c'est pas trop un souci. Tac. Alors admettons que ce soit des ouvriers qui manquent pour les mineurs. Voilà, ça devait être ça. Ou c'était le temps que ça recrute. Bref, là ils sont 10. Hop. En attente de mineurs. Voilà. Donc là, ils vont venir ici. On va pouvoir mettre vitesse max. Et les attaques ici, il a fallu que je retravaille un peu aussi. Hein. Sur ce niveau-là, c'est ça qui est bien. C'est pas parce qu'on a... Alors, le premier niveau, il n'y a pas d'attaque, donc c'est moins. Mais là, vous voyez, là, j'ai viré ce que j'avais un atelier, je crois, ici, de mémoire. Mais il faut surtout pas mettre d'atelier ou enfin de quartier là où les monstres pop, parce qu'ils se faisaient démolir tout le temps. Pareil, j'avais un quartier de garde ici, mais ils se faisaient démolir tout le temps. Donc j'ai mis 2 tourelles à flamme et j'ai mis plein de tourelles à grenade. Et comme ça, alors j'ai pas réagrandi. La ruche fait réapparaître un nouvel ennemi. Où ça? Ah là, ça y est, on est attaqué sur... Ah, ça a pas mis le... Donc là, voilà, ça y est, c'est parti. C'est bizarre, j'avais pas le message d'alerte. Ah mais non, c'est parce que je commence à creuser, c'est pour ça. D'habitude, ça met le gros message d'alerte. Et ça attaque alors 2 par 2. J'ai jamais eu les 4 côtés en même temps qui attaquaient. Mais voilà. Là, vous voyez, avec les 21 gardes, quand il n'y a qu'une attaque à un endroit, plus les canons, plus les tourelles, je pense qu'on est bien. C'est vraiment pas à négliger ça, les gardes, hein, parce qu'on peut vite se faire déborder. Donc là, j'étais en train de vous montrer là. Voilà, j'avais remis des trucs un peu partout. On avait bien, bien exploré. Hein, vous voyez, c'est vraiment. Là c'est pareil, donc il y a eu les attaques ici, donc j'avais renforcé avec les tourelles à foudre également. Alors, on voit pas trop les dégâts que ça fait, mais bon, c'est pas. Allez, ça creuse, on est au max. Le train est arrivé en gare. On va quand même continuer à vérifier hein, le train. Ah il a dû me donner ça du coup là. On va voir. Change en cours. Offre, ok. Bon, on n'a pas assez de rubis. Renforcement, on s'en fiche. Je sais pas s'il m'a donné de la ferraille. On a de la ferraille en stock? Ouais, on a de la ferraille en stock. Ça veut dire que là, faut que l'usine. Faut plus que l'usine carbure. Et elle est où mon usine? Alors, c'est l'astuce du coup pour retrouver les usines. Quand vous cherchez ce que vous voulez retrouver, par exemple, hop, voilà. Donc là, on sait que l'usine, elle est ici, là. Voilà. Et là, elle est pas boostée, elle. Elle est pas boostée, mais on va la booster. Est-ce que j'ai un petit boost acheté? Je me rappelle plus ce qu'on avait dans le... Chance. Ah ouais, mais on n'a pas les 20 rubis. Dommage qu'on n'ait pas les 20 rubis parce que... Alors qu'est-ce qu'on peut débooster? On va prendre l'objet d'ailleurs, c'est pas très grave. On va regarder ce qu'on peut débooster. Ah ça. 15% de production. C'est le seul qui... On va le prendre lui. C'est pas grave, c'est toujours mieux que rien. 15% de chance de production bonus, donc on produit pas à tous les coups, mais voilà. 1,5 fois sur 10, on peut produire double. Donc c'est bien, faut qu'on monte là pour pouvoir produire nos 2 autres bâtiments. Est-ce que ça me coûte combien de faire un atelier comme ça? Ça me coûte quoi? Des outils, on a, ça me coûte des planches, on a, ça me coûte ça. On va faire, c'est que je vais faire carrément un deuxième en fait. Pourquoi je suis pas à 100% de production chez mes...
Et messieurs, allez, vous voyez, l'alerte, je la faisais pas si mal tout à l'heure. Là, ils ont besoin de pétillants. Pourquoi ils ont plus de pétillants? Ah oui, non, d'accord. Là, c'est... Non, c'est le nouveau, d'accord. Carburant de fusée, pour pouvoir le produire, il faut que la satisfaction soit au max. Pour que la satisfaction soit au max, il faut fabriquer ce bâtiment-là. Donc, il n'y a pas de souci, ça va se faire. Surtout que là, avec un deuxième bâtiment comme ça, on est bien. On a toujours... Ouais, on a 39, c'est bon. Et là, les attaques, c'est où? C'est ici, là, aux extrémités. Donc, ça va se produire, ça va se faire. J'aurais peut-être... j'ai pas... Ouais, je voulais faire un peu plus de garde. 3 tuiles. On peut remettre 3 tuiles pour avoir un garde en plus. Voilà. Garde. Il me faut quoi? 6 tuiles. Et j'ai une autre usine là de garde, mais elle est bien... 6 tuiles aussi, ouais. On verra, au pire, faut refaire... mais bon. Là, voilà, ça se combat toujours, hein, vous voyez, mais là, ça, on est bien avec une défense comme ça, en mixant un petit peu tout, plus le nombre de gardes, la fourmi de gardes robots. Allez, morceau de ferraille, morceau de fusée. Tac. Cinquième, et de 5. À chaque fois qu'il parle à l'enfant, je ne me souviens un peu plus. Tu l'entends aussi? Qu'est-ce qu'elle dit cette fois? Chut, la source nous a tout pris, elle nous a piégés, elle a usurpé notre pouvoir. La source, c'est là que tout a commencé. Compris, la source nous a dit de construire, confiance en la source, total, compte à rebours, échec, enterrer la ville et contenez la menace, contenez l'infini, au revoir. Oh non, ça recommence. Ouais, ça présage rien de bon. Il est assez perspicace. Hein. Rassemblez les cobots. Soyez prêts à vous défendre, mais surtout à me défendre. Ouais. Ok, donc là, est-ce que ça veut dire qu'on va subir de plus en plus d'attaques? Est-ce qu'on va... Alors, on va subir une grosse attaque. Est-ce que c'est là le monstre... la grosse main? Est-ce qu'il y a des grosses mains comme ça partout? Est-ce que là, il n'y aurait pas un gros... Alors si c'est le cas, voilà, on va être attaqué de là et de là. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que si c'est ici la grosse attaque, la main là, elle me fait un peu peur. On renforcerait pas ici d'abord là. L'armurerie. Je peux mettre encore 3. On va pas utiliser les... ça là. Je crois qu'il m'en faut. Ouais, il m'en faut 3. Là, ça m'en demande pas. Alors, on va continuer avec les grenades. Continue avec les grenades. On va en mettre une autre là. Et une autre là. Voilà, comme ça, quand ils vont venir ici. Et tant qu'on y est de toute façon à avoir une attaque ici, bah on va emmener les mineurs là. Oui, mais il y a des attaques un peu partout. Donc là, faut bien regarder à droite et à gauche en même temps. Sur tous les étages en même temps. Faut surveiller tout ça. Dans le même coup, j'étais retourné sur le premier étage de la mine pour remettre, alors je sais plus, hein, je suis désolé, je peux pas vous dire, mais remettre des extracteurs, aller rechercher les outils que j'avais laissés, là je pense qu'il y en a plus. J'ai dû gratter un peu partout pour aller chercher tout ce que je pouvais, que vraiment on a besoin d'un max de ressources. Là, prochaine attaque dans 20 secondes, mais là, ce qui va peut-être manquer, c'est quand même les gardes à ce niveau-là maintenant. 8 gardes, c'est pas suffisant à mon avis. Il faudrait presque... Après je m'étais dit j'en refais pas parce qu'on va vite aller à la fin de la partie. On va voir, est-ce que ça suffit déjà comme ça? L'air pas mal. Et combien de mécaniciens là? J'en ai que 4. J'en ai 4, je pense que c'est pas mal, hein, 4, parce que les mécaniciens, si jamais il y a une machine qui est endommagée, elle vient à réparer au fur et à mesure. Je pense que c'est pas mal. Allez, on a notre 6ème pièce, là. On pourrait remettre une machine ici à ferraille. Ah non, on est remonté à 20, là, c'est bien. Ça veut dire que là, on doit construire nos bâtiments, là. Ah, super, ça y est, on produit du carburant. On produit du carburant, on en a 9 en stock. Parfait.
Parfait. Alors là, on va manquer de champis comme ça, par contre. Et les champis comme ça, en plus... Alors, j'avais pas compris qu'on pouvait mettre sur toutes les zones fertiles. Je pensais qu'il fallait trouver des zones bien particulières. Mais ça fait que... je l'ai fait juste avant de reprendre l'enregistrement. Mais par exemple, peut-être qu'ici... Ouais, mais ça va me prendre mes mineurs. Ça peut valoir le coup, parce qu'il va falloir produire quand même... de remplacer carrément, mais ça risque de déstabiliser déjà qu'on n'en produisait pas assez des champs plastiques. Ouais, je pensais qu'il fallait vraiment des fermes spécifiques à champitrol, mais c'est surtout les sols fertiles qu'on fait pousser ça en fait. Alors là, je suis pas venu trop creuser par ici, on aurait pu venir un peu plus loin peut-être. Un garde a été mis hors service, ouais, cet étage-là il est en sous-effectif. Hein. Très clairement, cet étage-là c'est pas suffisant. Voilà, ils reviennent. Ils peuvent pas s'occuper des deux côtés comme il faut, en fait. Ça, c'est quoi? C'est l'armurerie. J'ai pas un petit coin, là, pour refaire... refaire du garde, quand même. On va peut-être se reprendre une petite salle, même plusieurs petites salles. C'est pas grave si on fait des petites salles de neuf, là. Ça me coûte quoi de faire des gardes? Plus de l'or et du plastique. Ouais, bon, on va pas s'embêter du coup. Même quitte à en refaire une ici, hein. C'est pas grave si elle est un peu cassée après. Ça fait toujours un garde de plus. Après, 6 tuiles. On peut même mettre 2 gardes de plus ici. Et après, le danger en fait, c'est quand la zone là, elle est cassée. 4, 6, c'est bon. Ah bah, j'ai plus d'or, tiens. On va pouvoir aller en rechercher. Parce que ça de l'or, je sais qu'il en reste à droite, à gauche. Même sur plusieurs étages. Ah, puis là, il y avait un gros truc qu'on n'est pas venu chercher. J'ai pas fait de téléporteur encore, tiens. On n'a pas fait, j'y pensais plus au téléporteur. Alors là, on va venir. Hop, bah, il y a des monstres. On va récupérer un paquet de trucs ici, c'est bien. Où est-ce qu'on en est là, de notre sixième pièce? On y est presque. Et ce jeu est vraiment totalement addictif. Hein. Quand on s'y met, on... Ah, puis limite on a envie de tout creuser de partout avant de finir le jeu. Voilà, des monstres, c'est pas grave. Allez les gardes, venez me casser tout ça. Oh, encore du pétrole. Allez, on va prendre l'or. L'or, la ferraille. Hop, les rubis. Et ça va nous débloquer un super truc là, normalement. Qu'est-ce qu'on a? Ah, un truc de production, ça c'est bien. On va le mettre, chance de production plus plus. On va le mettre... Alors peut-être plus là-dessus maintenant. Deux, c'est peut-être trop. On va le mettre là-dessus. 25% de chance de production bonus et plus vite, plus de vitesse de production. Hop. Trouver les morceaux de fusée. Alors on en est où? Ça y est, on a la sixième. Le morceau là ne dit rien du tout, il est complètement silencieux. Il fonctionne encore, non? Je pense que oui, il cliquait et fait le même bruit que d'habitude. J'ai fait taire l'ancien signal, les ultimes voix des habitants qui vivaient ici. Elles essayaient de vous guider, de vous mettre en garde contre moi. Ah bah je savais bien que c'était un méchant lui. Espèce de luisant diabolique, c'était toi depuis le début. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse s'effondrer la vallée tout entière pour m'enterrer et me couper du monde. Mais vous m'avez gentiment déterré. Regardez-moi m'échapper maintenant. Tu ne l'auras pas, sale serpent. Alors là, il va falloir qu'on... On le combatte, c'est ça? Prochaine attaque dans 3 minutes. Faire le plein de la fusée. Ouais bah ça on est d'accord. Donc on va faire le plein de la fusée. Je sais pas combien il en faut, on va voir. Faire le plein de la fusée. Ah, on va se connecter à l'entrepôt. Ce sera mieux du coup. On l'a ou pas? Est-ce que si je mets mettre un entrepôt à côté tant qu'à faire. Voilà. Là j'ai un
trois livraisons simultanées. Je vais le prendre ici, hein, c'est pas gênant. Pas si ça peut aller plus vite. 5%. Ok. Donc là, je suppose qu'il faut résister jusque ça. On va voir. Ça sent la fin, là, quand même. Ça sent bon, non? On va reprendre du... On va prendre, hein, quand même. On sait jamais. Provoquer ça... On peut prendre aussi. Moins de main-d'oeuvre, c'est pas très grave. On va prendre ça. On va continuer de prendre, hein. On sait jamais. Continue d'acheter. Non, c'est pas forcé. Ah bah, ah, ça le double... Des fois, ça me fait double clic. J'ai un problème de souris. Et du coup, là, j'ai acheté pour rien. C'est pas très grave. Ça, je veux le... juste le... supprimé, il n'y a plus besoin. Et on en est où? 25%, ça monte, ça monte. On a combien de carburant? Encore 2. 0. Donc il va falloir attendre que ça produise un peu, je pense. Et est-ce que sur cet étage-là, j'avais pas un endroit? J'ai 7 prospecteurs. Oh mince. Là, j'en ai 11. J'avais pas un endroit fertile. Sur ce niveau de map ici, je suis pas sûr qu'il y en avait des endroits fertiles. Non, il n'y avait pas de... C'était qu'à partir du deuxième niveau de sous-terre. On avait déblayé un endroit tout à l'heure, d'ailleurs. Pour refaire un endroit fertile, c'était où? C'était pas... Tant pis. Je croyais que c'était vers le nord... Ah, c'était ici, peut-être? Où qu'on avait développé un... Ah, c'était ici, là. Ah, que je voulais déblayer. On n'avait pas déblayé, je voulais déblayer pour réussir à mettre... Tac. Alors après, c'est pas un souci, ça va se relayer. Tac. Et tac, voilà. Comme d'hab, hein, il faut au moins 9. Donc là, c'est bien, ça va se relayer un peu. Ça produira toujours un petit peu plus. Toujours ça de prix. Oui, mais je pensais qu'on aurait une grosse attaque. Mais peut-être pas. Faut peut-être juste faire décoller la fusée. Hein. 30. Ah, et du coup, on va... Je pense qu'on... Là, on va stagner en... Ouais, c'est qu'on a plus de ressources, là. Est-ce que... De toute façon, là, faut faire décoller. Est-ce que je peux remplacer tout bonnement J'en enlève un. Ça me laisse le sol fertile. Ouais, ça me laisse le sol fertile. Alors, on va faire ça, tant pis. Alors, je sais plus, il manquera peut-être du plastique ou je ne sais quoi, mais... Vraiment pour finir, et d'ailleurs je suis peut-être un peu bête aussi, puisque on peut peut-être utiliser le train. Le fameux train, il arrive dans 30 secondes. Hop, petite pause. Plus, alors est-ce que je peux avoir... Champi. Ah non, ça aurait été trop beau. Je peux en avoir des comme ça, je peux pas avoir des... D'or, poudre... Oh... Ah, ça aurait été trop facile. Ah non, on peut pas avoir de champitrol. Ah, c'est dommage. Ah, j'ai cru avoir une bonne idée. J'ai cru avoir une bonne idée, mais non. Tant pis. Alors du coup, on va remettre lecture avancée. Très vite. On peut pas avoir ça au marché, là. Dommage. Dommage, dommage. C'était la... Ruche, ouais, pas de soucis. Ah, c'est vraiment dommage, ça. Pourquoi on peut pas? On va voir du coup s'il nous manque des trucs là, vu qu'on a enlevé du champignon. Bah, on peut peut-être acheter des champignons comme ça, remarque. Du gaz. Comment ça se fait qu'on manque de gaz autant que ça là? Alors, faire une usine de gaz là quand même, parce qu'il faudrait pas saboter la... l'atelier. Il manque combien? 4 tuiles d'atelier. Si je peux me propager par là. Hop, je me suis pas trompé. 4-5 même, c'est bon. Comme ça, on peut refaire un extracteur de gaz. Voilà, directement relié. Bah, à la rigueur, on peut même remettre du champitrol ici. Hein.
Tac, y a pas de problème. Là aussi. Alors là, si, là, y a des problèmes, mais bon, c'est pas si grave que ça. Allez, à l'attaque. Est-ce qu'ils avaient tous leur petit bonus? On avait racheté un bonus tout à l'heure. Je l'ai pas réattribué. 2 sur 3. Voilà. Provoque les ennemis. Tout est attribué, ouais, c'est bon. Ok, bon bah tout se passe bien. Il suffit d'attendre maintenant du coup que les champitrolles poussent. On va... Ouais mais là je vais pas... J'ai... Là je peux pas en mettre parce qu'il faut au moins 9 cases. Donc on peut pas en mettre ici. On va regarder si on peut en mettre ailleurs. Hein. Ce serait toujours... toujours ça de prix. Là on en a remis. Là on en avait. Donc je pense que ici... Cette zone là en tout cas, au troisième étage, là c'est pareil, la zone ne sera pas assez grande. Ok, pour cet étage là on va dire que c'est bon. Enfin, c'est bon, on peut plus. Là il n'est pas assez grand. Là, on avait tout récolté ici, ouais, il y avait juste du pétrole. La ruche se replie. Et là on avait fait, là on avait fait, là on a fait, super zone. Là on a fait... Là, on n'est pas allé chercher ici, là, tiens. On peut peut-être ici les occuper, là, nos petits... Tac. Et puis venir mettre un petit pont. Ah, ok. On a un petit bonus de garde. Ah non, du rubis. Pas mal de rubis, je prends. Outils. Peut-être venir chercher l'or. On sait jamais, on sait pas trop ce qui nous attend après dans le jeu, donc... Faire être méfiant, continuer de faire comme si il allait se passer quelque chose. Et je pense qu'une fois que la fusée a décollé, c'est bon, on a gagné. Il y a un objet ou quelque chose à venir chercher là. Ah, ouais, un objet. Peut-être que l'épisode sera un peu plus long du coup, hein, on va voir. Mais ouais, je veux finir là-dessus. On va pas refaire un épisode exprès pour le décollage de la fusée. Bon là on a consolidé donc ça nous donne pas les outils, on est revenu à fond presque. On a eu un bonus de mécanicien, si je dis pas de bêtises, pour la réa. On leur avait mis, là on leur avait déjà mis, on va peut-être aider les mécaniciens ici là d'ailleurs. Non, là c'est l'atelier, ils sont où les petits verts? Où les verts? On voit pas trop sur la carte. C'est pas mal que ce soit plus visible. On devine là du ouais, le rouge, le champi. Est-ce que j'ai mis mes mécaniciens? Ou de pouvoir cliquer, voilà. Ah, ils sont là. Quartier des mécaniciens. Là, c'est pas utilisé. Il y en a un autre qui est pas utilisé là. Ok. Ah bah si, ils avaient déjà un bonus de 200 de vitesse de réanimation et plus de déplacement. Ah c'est en bas qu'il n'y a pas, je croyais qu'en bas il y avait. Par contre ça c'est pratique de voir les petits symboles là qui montrent sur quel étage. On va mettre ça, allez, hop. Comme ça là ils pourront réanimer plus vite aussi. Faire le plein de la fusée, ça monte. 57 sur 100. Ah bah voilà, il en faut 100. 60%. Je pense qu'on va, on va y arriver. On va être très 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 bien. Là, il manque quoi? Toujours du gaz. Des champis plastiques. On est toujours positif dans les besoins, c'est ça le principal. Dans tous les besoins des ouvriers, des ingés, des aristorobots, on est toujours, on a toujours ce qu'il faut, donc c'est ça qu'il faut voir. Avec combien? 67%, ça va relativement vite quand même. Que je fais, je coupe un petit peu la vidéo pour les 30 derniers pourcents, parce que ça sert à rien de vous regarder 30% comme ça. Je vous reprends quand on est vers 90-95%, voir ce qui se passe. Voilà, on arrive à 91%. Du coup, je reprends un peu plus tôt, parce que s'il se passe quelque chose, je veux pas, bah, je veux pas que vous le loupiez. Du coup, on va voir, puis là, ça va relativement vite. Hein. 95%, une machine hors service, bah, j'avais une attaque sur ce niveau-là, donc ça, c'est pas étonnant. 97,
Est-ce qu'on va voir la fusée décoller? Non. 3, 4, 1. 99%. Allez. Faire décoller la fusée. Le réservoir de la fusée est plein et elle est parée à décoller. Toutefois, tu peux continuer à jouer si tu en as envie. Lorsque tu souhaiteras terminer ta partie, tu n'auras qu'à plus qu'à sélectionner et à faire décoller la fusée. On a réussi. Mission accomplie. Ah, je pensais qu'il y aurait quand même une attaque générale de boss ou je ne sais quoi. Donc normalement, voilà, il faut qu'on parte, et vite. Bien dit, Madame la Richard. Shérif, rassemblez tout le monde afin qu'ils aident du mieux qu'ils le peuvent. Ouais. Tout le monde à bord, il y a de la place pour tous. Oh ouais, peut-être pas s'emballer. Sauf les sales balles perfides. Des milliers de mes mains qui creusent, griffent et grattent. Je n'ai besoin que d'un petit fragment de moi-même pour subsister. Et il y a tellement de moi. I think I know what to do. What do you mean, friend? We're ready to leave. You're coming with us. I will slow them down. Les ralentir. C'est bien de se sentir. Monte dans cette navette immédiatement. One last time. You have given me hope. Hero. Décoller, fait exploser la planète. Le méchant robot, ça y est, fini. Of course. You guided us all so far. Don't see a reason to stop now. That one. Calculating trajectory. Starting journey. Towards endless possibility. Il y a un problème. Allô, Houston. Bah du coup voilà, je pense que c'est on a fini pour de bon on a fini pour de bon la partie. Et bah, j'ai pris énormément de plaisir sur ce jeu, c'était vraiment vraiment génial. Pourquoi pas recommencer alors de mon côté évidemment, je vais pas vous refaire un let's play mais sur une autre carte voir si ça change ou pas un petit peu les bah, je sais pas les monstres, le sous-sol, les ressources, je pense pas mais à voir pourquoi pas. Je vais peut-être tester ça pour voir, vraiment addictif comme jeu. Merci beaucoup d'avoir suivi. Si la série vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, c'est totalement gratuit. Et bah je vous dis, souhaite une excellente journée, à bientôt. Salut.